D'épisode numéro 25. Donc il y a quelques jours, je vous ai posté sur mes aiguilles numéro 25A avec uniquement les objets terminés depuis la mi-décembre jusqu'au 30 janvier, le jour où j'ai filmé la vidéo. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie. Donc c'est vrai que généralement, je fais mes épisodes de podcast d'une façon très classique. Objet terminé, objet en cours, enfin projet. Du coup, et puis à venir, et éventuellement achat, etc. Donc la dernière fois, j'avais tellement que j'ai préféré vous faire un épisode avec uniquement des ouvrages terminés, et puis aujourd'hui, je reviens avec la fin d'une partie classique d'épisode de podcast. Comme d'habitude, je vous remercie d'être là, tout simplement. Je vous remercie de me suivre ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur le blog, etc. Pour celles et ceux qui découvriraient ma chaîne avec cet épisode-ci, moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver ici, mais aussi sur Instagram et sur mon blog avec le pseudo Elonails & Co. Et sur Ravelry, je suis Elodie Nitz, si jamais vous voulez me retrouver là-bas. Voilà, merci, toujours un grand merci, toujours une pensée pour chacun et chacune d'entre vous qui me suivez et qui regardez mes épisodes. Merci de prendre le temps de commenter, de laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours énormément plaisir. Et clairement, bah, c'est grâce à l'interaction que je peux avoir avec vous que je continue les épisodes dans les semaines folles, voilà, mouvementées par la vie de tous les jours, le travail, les problèmes de train et les soucis de santé, les petites maladies, soit de ma fille, soit de moi, enfin voilà, la vie complètement classique, hein, mais... C'est pour vous que je fais ces vidéos, donc ça fait bien plaisir quand je vois que vous les regardez et que vous les aimez, ça me fait très chaud au cœur. Alors merci pour tout ça. Avant de commencer, je suis vêtue de la même façon que la dernière fois, tout simplement parce que je filme à la suite. Donc je porte toujours mon cardigan rêverie. Je recule sans faire tomber la chaise, ce serait bien. Bah alors, c'est coincé, voilà. Mon cardigan rêverie de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans la Merino Deca de Loli Lafay coloris miel. Voilà, et quand je suis à la maison, je ne porte pas la ceinture, je mets simplement le cardigan comme ça. C'est un cardigan, on ne peut plus doudou pour moi. Vraiment un cardigan que j'aime beaucoup, je le mets le soir quand j'ai froid, pour traîner à la maison, etc. J'essaye de me remettre comme j'étais tout à l'heure, sans y parvenir apparemment, si c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de mes en cours, de ce qui va venir après, et puis d'achats et de cadeaux. Parce que vous m'avez offert des cadeaux. Et ça me touche énormément. Donc voilà, je veux vous remercier publiquement aussi. En plus de vous avoir remercié en personne déjà. Donc, commençons sans plus tarder, parce que l'épisode va quand même être long. J'ai commencé, je crois que c'était je sais plus, après Noël peut-être. J'ai commencé un pull pour ma fille, qui est le pull Elveline de Elong avec Anna, donc Anna Dervoet. J'enlève les cheveux juste qui traînent, voilà. J'ai commencé ce petit pull. Oh, ça rend bien, je suis contente, ça rend bien à la caméra. Donc voilà, là vous voyez déjà une petite manche qui se dessine. J'ai tout de suite repris les mailles des manches pour tout de suite donner l'impulsion de commencer la manche. Donc ce petit pull, c'est quoi? Eh bien vous voyez que c'est un pull avec du jacquard en bas. C'est un pull top-down qui se commence donc par le haut et qui se commence même par les côtes. Ensuite, vous allez avoir tout le monde sur les aiguilles tout de suite, donc les épaules et les deux devants tout de suite. C'est une construction où vous allez avoir des raglans et vous avez tout le monde sur les aiguilles, pardon, tout de suite. Et puis,
Eh bien, vous allez tricoter jusqu'à réaliser toutes vos augmentations raglan, etc. Il arrive le moment où vous devez séparer le corps et les manches. Donc, vous mettez vos manches en attente, comme vous pouvez voir ici, sur un fil, sur ce que vous avez disponible. Moi, j'ai mis un fil de laine. Ensuite, vous tricotez en rond, hauteur recommandée par le patron ou celle que vous souhaitez vous. Puis, vous avez cette petite section de jacquard, voilà, très graphique, que j'aime beaucoup. Juste lisser un petit peu, puis vous enchaînez avec quelques rangs de jersey et des côtes 1-1, et le corps est terminé. Et après, vous allez relever les manches, et je vais vous montrer sur le livre, puisque ce patron n'est disponible, c'est la seule chose que je trouve un petit peu dommage, avec le long avec Anna, mais c'est aussi le cas avec Loli Lafay, je crois, enfin, les patrons qui sont sortis dans des livres qu'elles ont auto-édités, auto-publiés, etc., vous ne pouvez pas les retrouver à l'unité sur Ravelry, je trouve ça un petit peu dommage, parce que par exemple, en comparaison, les patrons des recueils de chaussettes de Marie-Christine Lévesque, donc Tricot Design MCL sur Ravelry, vous pouvez tous les retrouver à l'unité, que ce soit de son recueil champêtre ou de son recueil botanique, vous pouvez retrouver tous les patrons de chaussettes à l'unité sur Ravelry. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter le livre, vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez aussi les acheter à l'unité sur Ravelry en fait, ou peut-être sur le site de Marie-Christine aussi, je ne sais pas, je lui achète toujours les patrons sur Ravelry. Toujours est-il que le modèle Elveline, il est disponible uniquement dans ce livre, Tricoter le jacquard en rond, aux éditions Erol, que vous pouvez retrouver dans la plupart des merceries. Moi je l'ai trouvé dans une petite mercerie pas loin de chez moi. C'est un livre qui est très bien fait, qui, je vous en ai déjà parlé hein, quand je l'ai acheté. Vous avez plein de parties en fait dans le livre. Alors partie 1, vous avez les techniques, et partie 2, vous avez les patrons. Anna a fait vraiment un travail très complet. C'est très bien illustré, j'aime énormément la mise en page, etc. Les coloris utilisés, c'est vraiment un livre enfin, ultra professionnel, quoi. Ça, on pourrait pas croire que c'est... quelqu'un qui à la base ne se destinait pas du tout à l'écriture de livres. D'ailleurs, il n'est pas auto-publié, auto-édité, il a été écrit par Long avec Anna, par Anna Dervoet, et il est publié avec les éditions Erol. Mais je vous disais ça parce que je faisais l'analogie avec le fait que, par exemple, Lolita Duby, donc Loli Lafay, a auto-édité le sien, auto-publié le sien, qui est Douceur d'automne. Et je crois pas que les patrons, vous puissiez les retrouver à l'unité sur Ravelry, il me semble pas, puisque je voulais faire le bonnet cannelle, je crois, celui avec les grosses torsades. En fait, il n'est pas dispo sur Ravelry, il faut acheter le livre, et moi, j'avais pas envie. Là, j'ai vraiment acheté le livre parce qu'elle parlait technique, donc les différents types de jacquard, le matériel, lire un diagramme, choisir un modèle selon la difficulté, choisir ses couleurs, tricoter un échantillon en rond, le jacquard intarsia, le jacquard stranded, gérer la tension du fil, la technique du stick, ça c'est très intéressant aussi, et les finitions du tricot. Et puis donc vous aviez 5 patrons dedans, et il y en a 3 que j'ai très envie de faire. Donc rapidement, j'ai très envie de faire celui-ci qui est le Beaufel. Voilà, j'ai très envie de le faire, je suis en train de regarder quelle laine je pourrais utiliser. Je voulais donc faire celui-ci pour ma fille, donc Elveline, le voilà. Il est également en couverture, ici. Et le bonnet Blisco, pour ma fille comme pour moi. Voilà, donc ces bonnets-ci. Donc voilà, ça faisait 3 patrons sur 5. Plus tout ce qui était, tous les détails qui sont dedans, etc. Donc je me suis dit que ça valait le coup. Parce que j'avais jamais tricoté de jacquard avant de faire la chaussette du sock masse calmistère organisé par Christelle Desmailles et moi. J'avais jamais fait de jacquard et clairement mon jacquard était à améliorer. Là je trouve que quand même sur du jacquard en rond mais avec des aiguilles qui ne sont pas des mini circulaires, j'ai l'impression que ça va mieux quoi. Du moins j'ai trouvé une technique qui n'est probablement pas spécialement recommandée. Enfin je sais que Elong avec Anna on parle du fait de tricoter le jacquard avec les deux fils à la continentale, donc les deux fils sur la main gauche. Moi je tricote à la continentale de base et j'arrive à tricoter avec les deux mains, c'est ce que j'ai commencé à faire au début, donc à l'anglaise et à la continentale. À la continentale, le coloris contrastant, donc chez moi le rose,
et à l'anglaise le coloris principal, donc chez moi le bleu. Mais en fait, c'était extrêmement, extrêmement lâche. On voyait vraiment le fil qui courait derrière, enfin c'était pas joli du tout. Là, avec les deux fils à la continentale, on ne voit pas en fait le fil qui court derrière. Et comme vous le voyez, ça n'a pas rétréci, le jacquard n'a pas rétréci le tricot. Ça part un petit peu plus serré à cause des côtes, mais pas à cause du jacquard. Donc je suis assez contente de ça. L'intéressée, alias ma fille, est très contente. Pour vous montrer l'intérieur, voilà, je suis pas sûre que ce soit censé donner quelque chose comme ça. Oh, on ne porte pas le jacquard sur l'envers. Hein. Voilà, moi c'est très élastique. Je pense que c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc ma fille est très contente. Elle m'a fait le coup de j'aime pas sa pique. Elle est moins sensible que moi. Et cette laine-ci, je la supporte, mais tout à fait. Tout à fait. Je ressens absolument rien du tout. La laine, c'est donc de la Merino Essentiel 4 de DMC. C'est un mélange 50% Merino, 50% acrylique, qui est très bien pour la layette notamment. Donc si vous n'avez pas envie de tricoter du 100% acrylique, là au moins vous avez de l'acrylique, mais vous avez dans une proportion de 50%, et puis les 50 autres pourcents, c'est quand même de la laine naturelle, donc du Merino. Je trouvais ça pas mal. C'est 3,90€ la pelote, 3,70€ la pelote chez Rascol. Et moi, c'est chez eux que j'ai acheté mes laines. J'ai ici la rose. Vous voyez qu'il m'en reste énormément. Et j'ai un reste de bleu nuit, ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste. Et vous avez peut-être vu que dans le patron, Anna n'a pas prévu de jacquard au bas des manches. Et moi, ça me gêne. Ça me chiffonne. Donc je vais tenter de faire un motif de jacquard sur les manches. Je ne sais encore pas trop comment je vais faire, puisque comme je vous disais, sur des mini-circulaires, mon jacquard n'était pas très très régulier, pas très beau. Je vais tenter à la continentale, on verra bien. Au pire, je ferai peut-être du magic loop, si ça ne va pas tellement avec les mini-circulaires. Je verrai. Je vais devoir aussi adapter, parce que normalement, au niveau enfin, le diagramme de jacquard se fait sur 12 mailles. Donc forcément, si vous voulez répliquer ça au niveau des poignets, il faut que vous ayez un multiple de 12 mailles. Et là, par exemple, en l'occurrence, quand je commence ma manche, j'avais 50 mailles. Et j'ai fait une diminution, donc je suis maintenant à 48 mailles. Et c'est justement ce qu'il me faudrait. Il me faudrait soit 48 mailles, soit 36. Donc un multiple de 12 à chaque fois. Je verrai bien. Je pense que je vais laisser 48 et puis ça fera une grosse manche, enfin une manche assez lâche à ma fille, assez large. Comme ça, si jamais vraiment elle me dit que ça pique, je peux lui mettre un t-shirt très léger à manche longue en dessous et puis ça passera comme ça. Mais voilà, le Elveline, c'est un pull qui est bien sympa. Où est ma page? C'est un pull qui est bien sympa à tricoter, qui va vite, hein, parce que là je le fais en taille 4 ans. Moi, pour vous dire, je le fais en 3,75 et les côtes en 3,5. J'ai un échantillon qui est plus grand que celui de Anna, puisque j'ai 22 mailles par 30 rangs, là où Anna en a 23 pour 30 rangs. Et je fais taille 4 ans quand même, dans l'espoir que ça lui aille encore à l'automne-hiver prochain, ce qui est possible. Donc voilà, comme je vous disais, ma technique de jacquard est peut-être un peu bizarre. Je croise les mailles. Tout à partir du moment où j'ai plus que 3 mailles dans un des deux coloris. Donc c'est pour ça que ça donne ça. Et je laisse courir le fil quand il y a 3 mailles et moins de 3 mailles. Voilà, je ne sais pas si ça a une utilité, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas, ça m'a paru naturel comme ça. Et puis tricoter avec les deux fils sur le doigt gauche, donc à la continentale, ça me paraît très naturel et très logique aussi, donc je fais comme ça. J'ai quand même lu les explications de Dana, puisqu'elle en parle dans son livre. Si vous faites ça, il faut que vous ayez toujours le coloris contrastant, donc le dominant, qui doit être le plus proche qui doit être le plus haut sur votre doigt, et le plus bas vers votre doigt le coloris principal de votre projet en fait. Donc c'est ce que je fais, et puis je vais à chaque fois chercher par-dessus mon coloris dominant, donc mon contrastant, et par en dessous mon coloris principal. Voilà.
En tout cas, ça fonctionne. On ne voit plus le fil courir dessous et le coloris contrastant saute bien aux yeux malgré le bleu nuit. Donc je me dis que ça doit pas être si faux que ça ce que je fais. En tout cas, là, j'ai vraiment plaisir à tricoter le jacquard. Avant, en tricotant avec le fil dans chaque main, j'avais pas de plaisir à tricoter le jacquard. Ça me semblait pas naturel, c'était pas joli, ça me frustrait. Là maintenant, c'est très agréable au point d'avoir envie d'en mettre là où il n'y en a pas normalement dans le patron. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, je crois. J'ai fait zéro modification jusque-là, j'ai juste fait le corps, un petit peu plus long que ce qui est recommandé, dans l'optique que déjà ça couvre bien les fesses de ma fille, et puis que ça lui aille peut-être encore l'année prochaine. Sinon, je n'ai rien de particulier à vous préciser. Je pense que c'est effectivement un très bon modèle si vous commencez le jacquard. Le seul souci, entre guillemets, étant que si vous cherchez les informations concernant les techniques du jacquard sur internet ou sur YouTube, et que donc vous n'avez pas besoin de toute cette partie technique, payer 25 €, je sais plus combien j'ai payé le livre, tout ça pour un patron, 19,90 €. Bon, c'est peut-être pas le meilleur rapport quantité-prix, mais en tout cas c'est vraiment un très bel ouvrage. Le livre est très très beau, donc je regrette absolument pas mon achat. Là je vais continuer ma petite manche tranquille, je voudrais qu'elle l'ait assez rapidement, parce que là chez nous il fait quand même bien froid, donc j'ai envie qu'elle puisse le mettre déjà cette année. Voilà pour Elveline. La pelote c'est 3,70 €, donc ça je vous ai dit, mais c'est 50 grammes pour environ 125 mètres. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Ensuite sur mes aiguilles, j'ai monté ce que j'appelle un chauffe-épaule. Donc en fait, ma maman avait une pelote de grosse balle comme ça, donc là j'en suis à la moitié, de 200 grammes pour 350 mètres environ, qu'elle avait acheté à Leclerc l'année dernière, il me semble. Et je lui ai piqué, je lui ai demandé si elle voulait bien me la donner, parce que le soir sur le canapé quand je tricote, j'ai froid aux épaules, et parfois malgré le gros cardigan bien doudou, j'ai froid. Donc je me suis dit, si elle ne l'utilise pas, moi je vais la prendre. Et où vous aviez des instructions dedans pour faire ce qu'ils appellent une écharpe, donc en pointe. Voilà, donc j'essaye de vous la déplier. J'ai monté les mailles qu'ils ont données. Je crois que j'ai monté un tout petit peu plus de mailles. J'ai fait en point mousse et ensuite j'ai fait les augmentations qu'ils disaient jusqu'à arriver à 81 mailles au plus long. Et j'ai fait une bordure au point mousse parce que j'ai vu que l'écharpe de ma maman a énormément tendance à rouloter. Forcément, c'est du jersey. Voilà, c'est les couleurs, bon ben c'est ce que c'est. Hein. Moi j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont mis du rose bonbon là en plein milieu, mais enfin bon, oui. Pourquoi pas. En tout cas, là, on est dans des coloris qui me parlent. Le beige clair, le marron. On va repartir sur un beige un peu plus clair encore après le marron. Puis de l'écru, et puis ce sera terminé. Donc là, je vais tricoter tout droit jusqu'à ce qu'il me reste un certain poids de laine. Et puis, j'essayerai de faire, de répliquer la pointe de l'autre côté. Voilà, et si ça le fait pas, ça le fait pas. C'est pas très grave. Comme je vous dis, c'est juste pour me garder les épaules au chaud lorsque je tricote le soir à la télé. Pour les détails de la laine, c'est pas de la laine, c'est du fil, c'est du 100% acrylique, donc que je tricote en 5,5. Normalement c'est entre 4 et 6, je n'ai pas d'aiguille 6 et j'allais clairement pas en acheter pour ça. Donc je fais ce chauffe-épaule en aiguille 5,5 et c'est très bien. Et pour m'assurer que je l'avance, je me suis fixée de faire 10 rangs par jour, donc 5 rangs aller-retour par jour. Voilà, comme ça au moins je sais que je l'aurai avant la fin de l'hiver aussi. Mais rien de particulier à vous dire. Hein. Ça, je pense que ce sont des balles de laine que vous pouvez peut-être trouver chez Action, chez Nose, dans des magasins comme ça, un petit peu des stockages, peut-être à la foire fouille. Ce style de magasin où vous avez des choses à petit prix régulièrement dans l'année. Ensuite, un objet en cours, enfin un ouvrage en cours dont je ne vais pas vous parler et que je ne peux pas vous montrer, c'est un pull en test pour Marianne. Voilà, sachez-le, je fais un pull en test pour Marianne, ça vous avance bien, hein, je vous montre pas, je vous parle pas de la laine, je vous parle pas du projet, je vous dis juste que j'ai un pull en test pour Marianne, mais voilà, j'ai donc déjà 3 en cours. J'ai un 4e en cours, puisque il n'y a pas très longtemps, j'en avais assez de voir mon top Mouchichi, donc, qui est un patron de Marianne Munier, patron qui est magnifique, que je compte refaire, mais j'en avais ras les couettes.
de voir Mouchichi qui attendait que j'achète une quatrième pelote de Antigone de Dererum Natura en coloris laurier. J'ai écumé Ravelry je ne sais pas combien de fois pour trouver quelqu'un qui la déstacherait. J'ai trouvé des gens qui ne voulaient pas la déstacher, donc je comprends, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que moi, pour quelques grammes de fil, donc la Antigone c'est du 100% lin, pour quelques grammes de fil, eh ben, j'avais le top qui attendait là, qui prenait littéralement la poussière et ça commençait à me gonfler. Donc l'autre jour, je me suis motivée, j'ai tout détricoté entièrement, je me suis dit que je le referais, ça c'est clair et net parce que je l'adore ce top. Donc je le referai, je ne sais pas encore dans quel fil, probablement pas en Antigone parce que ça m'embêterait d'acheter 4 pelotes pour n'utiliser que quelques grammes de la quatrième. Mais voilà, donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry et il y avait un top qui m'avait énormément plu, que j'avais pas acheté tout de suite. Et puis là je l'ai pris, c'est le Posy Tank Top de Long avec Anna à nouveau, qui est un top avec des fines bretelles que vous pouvez... que je vais tenter de faire non nouer. Je vais vous mettre une photo ici du top. Je vais tenter de les faire non nouer parce que j'ai vu des tricoteuses qui ont fait ça comme ça sur Ravelry. J'ai vu que elles n'ont pas fait les petits nœuds. Elles ont dû faire, j'imagine, une couture derrière ou je ne sais pas trop comment elles s'y sont prises. Mais toujours est-il que j'ai acheté le patron et je me suis lancée. Par contre, je vais finir par croire que c'est le fil qui est maudit en fait. Parce que Mouchichi, je l'avais fait une fois. Trop ajouré. Je l'ai défait l'année suivante, donc en 2022. Je l'ai refait dans la foulée. Il me manquait du fil pour le terminer. Et de quoi je m'aperçois? J'en suis là, dans la dentelle. Et en fait, je réalise que non, ce ne sont pas des aiguilles 3 avec lesquelles je tricote, mais des 3,25. Et moi, la Antigone, il faut que je la tricote en 3,25. Sinon, vous le voyez, elle est ajourée. Donc vous allez me dire, c'est de la dentelle, c'est déjà ajouré de base et tout ça. Bah oui, bah justement, en fait, étant donné qu'il y a des trous et tout ça, j'aimerais bien que le reste soit vraiment bien, bien dense. Donc, ce n'est pas grave. J'ai acheté tout à l'heure, avant de tourner cet épisode, j'ai commandé chez Laine et Tricot des Knit Pro Symphony. Donc ce sont celles en bois, qui sont multicolores, là, un petit peu holographiques comme ça. En 3 mm, j'ai acheté un câble et puis ça arrivera quand ça arrivera. Ça me laissera le temps de défaire à nouveau Posy Tank Top. Je vais le faire en 108 parce que j'ai exactement le même échantillon que Long avec Anna, c'est-à-dire 24 mailles par 32 rangs. Et je vais faire 108, je vais pas le faire trop long, je vais faire 108 pour vraiment être sûre que ça aille bien, que j'ai de l'espace au niveau du ventre, etc., que ça ne me colle pas. Et si besoin, je ferai des diminutions pour aller jusqu'à la taille 100 au niveau de la poitrine pour pas que ce soit, pour pas que ça baille. Parce que j'ai bien l'intention de le porter au travail quand l'été sera arrivé. Donc voilà, je vais tout défaire et je vais le recommencer. Et pour, pareil, ça c'est un en cours ou long cours, je ne me fixe pas de date butoir, mais j'ai l'intention de faire au moins 4 tours par jour. Donc là, quand je vais recevoir les aiguilles, je vais remonter mes mailles, refaire le démarrage, puis 4 tours. Et tous les jours, je ferai 4 tours, 4 tours, 4 tours. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va devenir mon tricot-train, en fait, mon tricot-transport en commun. Quand je serai que dans le jersey, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est un en-cours qui sera toujours un en-cours au prochain épisode, mais il aura été défait entre-temps. Encore une fois, enfin, la laine, le fil aura été à nouveau défait. Donc, hein. On disait jamais 203, je ne savais pas qu'on disait jamais 304, mais apparemment c'est le cas. Sinon, ce que j'ai aussi monté avec les restes de mon Nettle Gardenia Wrap que je vous ai présenté la dernière fois. Donc les restes sont ceux-ci, la Cachemerino de la bien-aimée coloris Rust et la Cachemerino de la bien-aimée coloris Santoki. J'ai monté quelque chose que j'ai vu chez Lauriane, donc l'eau demoiselle. J'ai vu qu'elle elle avait monté ça aussi avec... elle a fait ça avec des minis qu'elle avait eu dans un calendrier de l'Avent. Et j'ai tout de suite adoré le concept. C'est-à-dire que ça fait un moment que je me dis qu'il me faudrait des mitaines. Et elle a fait la version No Lace des Key Mits de Béatrice Maz. Et moi j'ai fait la version avec dentelle. Donc là c'est non lavé, non bloqué. Mais vous avez déjà un petit aperçu. Et ce que j'aime énormément, c'est ça en fait. C'est, voilà,
ça part en pointe. Je trouve ça absolument canon. Et moi, par contre, vous voyez, si vous connaissez le modèle, d'ailleurs, je vais vous le mettre ici. Ici, normalement, vous avez de la dentelle que je n'ai pas faite, tout simplement parce que si je fais des mitaines, c'est parce que j'ai froid aux mains. Et ce que je voulais, c'est m'assurer d'avoir vraiment chaud à cet endroit-ci. Donc, j'ai terminé avec ce qui, je pense, est la version no lace. Donc, cette partie-ci n'a aucune dentelle. Elle est toute simple. Et voilà, j'ai la dentelle ici, juste là. Donc ça, c'est la dentelle prévue dans le patron. J'ai monté 54 mailles, parce que comme je vous disais dans mon épisode précédent, l'épisode des objets terminés, oui. Donc là, pour le moment, le pouce roulotte, ça ne le fera plus quand ça aura été lavé, bloqué. Je me détends du tricot, et en mini circulaire, mes chaussettes en 56 mailles commencent à être sont trop grandes. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je prends le pari que je fais des 54 mailles et ça ira. Et vous voyez que ça me va très bien. Et alors, ce qui est génial avec ce patron aussi, c'est que eh bien, vous n'avez pas de main droite, main gauche. C'est la même que vous tricotez les deux fois. Voilà, je trouve ça géant. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de est-ce que je suis sur la bonne main ou alors ah, j'ai fait ça de l'autre côté, donc maintenant je suis perdue parce qu'il faut faire en miroir, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Juste une petite chose par contre, c'est que en fait quand Lauriane en a parlé, je suis allée sur Ravelry et je suis tombée sur cette version-ci avec la dentelle. Et je me suis dit, ah ben j'ai peut-être pas fait attention quand elle en a parlé, elle a certainement dû pas voulu se casser la tête ou quoi, et certainement qu'elle a pas fait la dentelle, elle a suivi les explications sans faire la dentelle et puis voilà. Ben en fait non, la créatrice a pris le parti de faire un modèle payant avec dentelle et un modèle payant sans dentelle. Alors que franchement, c'est la même mitaine. Donc ça, je vous avoue que je comprends pas trop. Je crois que le patron est à... Je sais plus, je vais regarder vite fait. Je crois qu'il est à 7,20€. Non, c'est peut-être... Non, peut-être pas. Attendez, je vous dis ça. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça, franchement, un petit peu osé. De... Ben, où sont mes Kimitens? Mes Kimits? Ah là. J'ai trouvé ça un petit peu osé de proposer 5,88€, mais c'est quand même 5,88€. J'ai trouvé ça un petit peu osé en fait de dire ben voilà, je propose un patron, donc deux patrons identiques, simplement l'un des deux a de la dentelle. Elle aurait pu faire par exemple 7€, le patron, je dis n'importe quoi, et mettre les deux options dedans. Parce que, ben, je sais pas, c'est que mon avis, qui suis-je pour critiquer ou émettre un jugement, etc. Personne, mais je trouve ça un peu, entre guillemets, et pour schématiser, je trouve ça un peu gonflé, d'avoir proposé une version avec dentelle payante, ça je comprends tout à fait, mais pourquoi pas dans ce cas proposer la deuxième version, je sais pas moi, si vous avez acheté, j'en sais rien, la proposer gratuitement dedans, vous voyez, avoir les deux patrons, les deux options dans le même patron, pour 7€. Si elle n'avait pas envie de laisser à 5,88€. Enfin, je sais pas, du coup, je comprends pas trop, parce que c'est vraiment la même chose. C'est exactement le même patron, c'est tout pareil, quoi. Sauf que, dans l'autre version, dans la version sans dentelle, elle a proposé plus de tailles de main. Là, vous n'avez que 3 tailles. Donc, c'est peut-être par rapport à ça, elle a peut-être pas eu envie de se casser la tête à faire de la dentelle sur tout un panel de tailles. Je sais pas, mais je sais pas, ça m'a fait un petit peu. Ça m'a un petit peu embêté, vous voyez, ça m'a fait un petit peu tiquer, ça m'a gêné. Après, voilà, chacun en pense ce qu'il en veut, mais. Donc là, je suis à la première. Donc, comme je vous disais, en 54 mailles, sur des mini circulaires de 23 cm de diamètre, j'ai déjà commencé les côtes de la deuxième. Là, j'y ai plus touché parce que j'étais quelques jours en congé et je vais les garder pour quand je vais reprendre le train à partir de jeudi, quand je vais reprendre le travail jeudi. Oui, voilà, 54 mailles. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus? C'est pas très gourmand en laine, donc si vous avez des restes, je vous recommanderais avec du nylon parce que quand même les mitaines sont soumises à beaucoup de frottements, on met les mains dans les poches, on les sort, on fait plein de choses, puis si vous voulez les porter au travail, vous tapez sur l'écran, ça va frotter le bureau, enfin bref. Je vous recommanderais quand même un petit peu de nylon dedans. Bon, il y a 10% de nylon dans la cachemérino, donc je pense que ça va le faire. Donc vous avez les deux patrons, vous avez le avec dentelle, donc les Key Mitts, et vous avez les Key Mitts No Lace, donc sans dentelle, de Béatrice Maz.
J'ai pas fait d'échantillon et c'est impeccable. Donc déjà avant lavage, mais j'imagine que ça va encore un petit peu s'assouplir. Et puis comme je vous disais, j'ai pas fait la dentelle, c'est la seule modification que j'ai faite, sinon je suis le patron à la lettre, la dentelle au niveau du bout des doigts. Voilà, donc ça c'est ça, je vous ai parlé de tout ce que j'ai en cours. Donc si vous comptez bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Voilà, dont 2 sans pression totale, le Posy Tank Top et le chauffe-épaule. Voilà, celui où j'ai un petit peu plus la pression, c'est le pull pour ma fille, parce que maintenant il est à rien d'être terminé, donc j'ai envie de le terminer et je vais carburer dessus. Et puis celui pour Marianne, parce que c'est un test, j'ai quand même envie d'avancer, d'autant que le projet est très très beau. Sinon, pour vous parler des projets à venir, eh bien quand j'aurai terminé le pull pour ma fille, il y aura un test secret dont je peux absolument pas vous parler qui va sauter sur mes aiguilles. J'ai la laine dans mon stash, donc ça c'est cool parce que bah, de tout ce que vous voyez là, j'ai rien acheté en fait. C'est soit de la valorisation de reste, soit j'ai piqué une pelote à ma maman, soit j'ai ce qu'il faut dans mon stash. Donc ça c'est plutôt cool. Quand j'aurai terminé les Key Mitts de Béatrice Maz, je vais réaliser le modèle Cottage de Marie-Christine Lévesque. Comme j'ai l'intention en fait de tricoter les 12 patrons du recueil sur 2023, j'ai regardé dans mon stash l'autre jour, il s'est avéré que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le patron Cottage. J'ai un coup de cœur pour tous, hein, c'est pour ça que j'ai acheté le recueil, mais je veux dire, j'ai très envie de le faire maintenant. J'ai regardé celui qui me parlait le plus, et celui qui me parle le plus, c'est celui-ci. Comme ça, ça va me permettre d'utiliser une boulette du bruit des aiguilles et un mini. Voilà, et je vais faire ce que je vais faire par contre pour m'assurer que le mini me permette de faire talon, pointe et la bordure en dentelle qui remplace les côtes ici, c'est que je vais la diminuer de moitié. Comme ça, je pense que ça passera. Et je vais utiliser donc ce mini de Hélène Hélène, qui était le mini que j'ai acheté à Exceptionnelle 2022 dans un kit. Donc vous aviez ce petit bleu ciel très sympa avec le coloris au fond du lagon. Et j'avais cassé le kit pour utiliser au fond du lagon sur, avec une autre laine. Et j'avais gardé le mini, donc j'ai déjà mis en petite boule. Et je vais utiliser ma boulette de Anna du Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Almost the Song of the Odds, parce que le vieux rose apparemment a eu un petit souci dessus. Il est vieux rose, il devrait pas, enfin je sais plus. Mais voilà, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Et ça me parlait énormément pour ce modèle. Donc ce sera Cottage juste après les Key Mitts. Et ça sera mon tricot-train, tricot-transport, puisque je prends le bus et le train dans une journée. Donc voilà. Et puis peut-être que j'alternerai un jour les chaussettes, un jour le Posy Tank Top. On verra. Et enfin, ce que je montrerai aussi probablement avant le prochain épisode, c'est le Trescao Jumper de Along avec Anna. Dans ces laines-ci, et c'est le coloris Madame Rêve de Yarn by Simone. Vous avez ici sa Merino Superwash Fingering et ici sa Kid Mohair Silk, donc KMS et MSW ici, coloris Madame Rêve qui sont presque son coloris emblématique parce que c'est surtout pour ce coloris-là que beaucoup de gens craquent en premier et puis après ils s'intéressent aux autres coloris de Simone qui sont tout aussi magnifiques. Mais voilà, moi c'est pas du tout le premier coloris pour lequel j'ai craqué, j'avais craqué en premier pour Peaches, qui est un coloris que j'adore, et puis seulement bien après pour celui-ci, donc ce sera mon 13KO, j'ai deux écheveaux de chaque, j'espère que ça passera, au pire je ferai des manches un petit peu trois quarts et puis ce sera très bien comme ça. Donc voilà pour ce qui est à venir, et maintenant ce que je voudrais vous montrer et ce dont je voudrais vous parler, c'est des cadeaux qu'on m'a fait récemment. Il y a quelques temps, une abonnée, Béatrice, je t'embrasse encore une fois, m'a offert le patron du gilet Harmon, que je vous mets ici, et qui est un patron du Steel Knitting, donc de Florence, et il était dans mes favoris, Ravelry, et voilà, j'avais encore pas acheté le patron, parce que j'avais encore pas de laine associée. J'en ai toujours pas, mais Béatrice m'a très gentiment offert le patron, et ça m'a énormément touchée et fait plaisir. Donc merci beaucoup Béatrice. J'avais presque envie de me joindre au cal que Florence organise, mais j'ai pas la laine et comme vous le voyez, j'ai déjà beaucoup d'encours sur mes aiguilles, donc on va se détendre, mais je le tricoterai, c'est clair et net, donc Béatrice, si tu passes par là, je te remercie encore une fois, ça m'a fait énormément plaisir.
Ensuite, j'avais participé à un concours organisé par Anna du Bruit des Aiguilles et j'ai gagné. J'étais parmi les trois gagnantes, je crois. Donc le lot, c'était vous choisissiez soit un écheveau de 100 grammes varié ou autorayant, soit vous preniez 50 grammes varié ou autorayant avec un mini. Et moi, c'est l'option-là que j'ai choisie et je lui ai demandé de m'envoyer pardon, son coloris Primavera, qui est celui-ci, sur sa base 85-15, 200 mètres 50 grammes, donc c'est de l'autorayante typiquement HO7, et je lui ai demandé pour aller avec le coloris gris clair, toujours sur sa base 85-15, il y a 80 mètres pour 20 grammes, et c'est un coloris qu'elle recommande avec Primavera, donc voilà. Je sais que Anna ne passera pas par là, mais en tout cas je l'ai remerciée sur Instagram énormément, d'autant que j'ai pu bénéficier de l'envoi de ce cadeau pour ajouter le coloris émeraude que je vous ai montré dans l'épisode précédent, avec lequel j'ai pu faire les contrastants de mes chaussettes que j'ai appelées Christmas Socks. Donc j'étais vraiment contente parce que j'ai pas payé de frais de port et ça m'aurait bien embêté de payer 7€ de frais de port ou 8€, je ne sais plus, pour un écheveau, un mini de 5€. Donc voilà, elle m'a offert ça et j'en suis tellement contente parce que c'était dans mes futurs achats en fait. Voilà, après, ma copine MJ, Margiva, que tout le monde connaît, m'a envoyé un colis, comme ça. Elle me dit, hey, Elodie, passe-moi voir ton adresse s'il te plaît. Ok. Donc je me doutais bien qu'elle allait m'envoyer quelque chose, hein, mais je ne me doutais pas qu'elle allait m'envoyer tout ça, voyez-vous. Donc elle m'a envoyé deux anneaux marqueurs que je vais attraper après pour vous les montrer. Et elle m'a envoyé quatre mini, non mais quatre mini quoi, de son calendrier de l'Avent de 4 mini, je vous dis n'importe quoi, elle m'en a envoyé 5. Et elle m'a envoyé 5 échevaux, voilà, 5 mini. Donc MJ, évidemment, je te fais encore de très gros bisous, mais il ne faut pas me faire ça, il faut pas. Voilà, elle m'a envoyé tout ça. Donc, non mais sérieusement, ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir ces merveilles. Ce sont des mini du calendrier de l'Avent qu'elle a commandé à Michaela de Mon Petit Rêve. Donc c'est une teinturière indépendante qui est allemande mais qui vit en France. Et autant vous dire tout de suite que les deux écheveaux violets que vous voyez ici, ma fille a mis une option dessus et moi clairement option sur ces deux-là et celui-ci. Alors là, même si elle me demande de lui tricoter, c'est hors de question, ce sera pour moi. Voilà, je veux bien lui céder deux mini, mais pas les trois là. Ah non, 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 non. Donc vraiment de très jolis écheveaux. Encore vraiment merci beaucoup MJ, ça me fait hyper plaisir. Surtout que ce sont des mini sur lesquels j'avais flashé quand elle les a montrés dans son vlogmas. Donc voilà, bah, ils sont chez moi maintenant et ils vont être tricotés et aimés et adorés et tout ça. Donc vraiment trop cool. Et ce sont des mini sur base à chaussettes. Donc il y a du nylon dedans. Moi je sais que j'en ferai pas des chaussettes. Je vais certainement faire des rayures sur un pull. Et j'ai justement une idée. Il y a un pull de Nadia Crétin-Lachen que j'avais beaucoup... le Wannabe. J'aimerais bien me le faire avec des rayures un peu dans le même esprit que ce qu'avait fait... Lauriane, je crois que c'était à l'été ou au printemps 2022, elle l'avait fait avec justement des mini d'un kit laine de mouche, je crois. Et moi, je trouve que ce serait très bien, donc j'ai les deux là. Et j'ai encore deux autres laines qui iraient bien avec. Donc voilà, à voir. Et puis, si jamais ma fille change d'avis, je vais récupérer avec plaisir les violets. Il n'y a que celui-ci dont je ne sais pas quoi faire là tout de suite sur l'instant, mais ça va venir. Je ne panique pas, j'ai pas peur. Et elle m'a aussi offert ces deux trop mignons anneaux marqueurs que vous ne verrez pas bien du tout. Mais ce sont deux chats avec un petit cœur, donc vraiment trop trop mignon. Je ne suis pas du tout fan de chats à la base, j'aime bien les chats chez les autres, mais je ne saurais pas faire avec un chat, donc voilà, je n'ai pas de chat. Mais ceux-là sont vraiment trop trop choux, ils sont tout dodus, tout mignons. Donc j'avais celui-ci sur mon Zaza et j'avais celui-ci sur le pull de ma fille. Et puis après j'ai basculé sur un petit anneau marqueur que j'ai pris à Mademoiselle Pluche avec la lettre L, puisque le prénom de ma fille commence par un L. Donc comme là je suis sur les manches,
J'ai mis un petit anneau marqueur plutôt qu'avoir un gros comme ça, mais ils sont vraiment légers et très très jolis. Donc MJ, je te fais encore des gros bisous. Et elle m'a aussi envoyé une petite carte de vœux. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment un très beau colis. Et ensuite, de quoi je voulais vous parler encore? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Je ne sais plus. Le patron, ça, les cadeaux de MJ, et j'ai fait des achats. Voilà. Donc, Pauline Malia Ritorta sur Instagram et sur YouTube, ce qui est aussi une copine de tricoté, puisque on va au même tricoté à Metz. Et il n'y a pas très longtemps, elle a posté une photo sur Instagram qu'elle avait fait un petit réassort de laine à chaussettes, etc. parce qu'elle avait besoin de laine à chaussettes unie, ce qui est aussi mon cas. Et je comptais justement m'en acheter à Exceptionlaine, qui est donc le week-end qui arrive. Après, on va pas se le cacher, des écheveaux de laine unie, c'est quand même un certain coût quand on les achète chez des teinturières indépendantes. Et je me suis dit que si je pouvais justement limiter les coûts, ça serait pas mal. Donc, j'ai passé une commande chez Rascol. Et je me suis commandé de la Kremke Soul Wool, qui est celle-ci, et c'est la base Edelweiss. Donc là, je vous montre deux coloris par deux coloris, j'en ai pris 4 en tout. Il y a 420 mètres au 100 grammes, et ici, c'est le coloris 406, ici, le coloris 404. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ces deux coloris-ci. Le coloris 419. Et le coloris 402. Voilà. Est-ce que je peux tout vous montrer d'un coup? Je pense que oui. Voilà ce que ça fait. Et donc, c'est pour faire des chaussettes. Alors, typiquement, ça va me servir à refaire une paire de sockets jardinières de Marie-Christine Lévesque, que donc, je vous ai montré dans le précédent épisode. Ça va me servir à refaire une paire de sockets... Non, ça je sais pas. Ça va me servir à faire une paire de jardinières. Ça va me servir à faire une paire de chardons de Marie-Christine Lévesque aussi dans son livre Champêtre. Et puis les deux là vont être aussi sur des patrons chaussettes de Marie-Christine. Et il va m'en rester puisque comme je vous disais il y a 100 grammes donc il va m'en rester. Peut-être que ça je vais faire à nouveau une deuxième paire de... Donc une paire de fleuristes, une paire de jardinières. Je verrai, mais en tout cas j'ai voilà, comme ça maintenant j'ai de la laine unie. C'était au niveau du tarif, je ne sais plus, c'était peut-être je crois que j'en ai eu pour 36 euros en tout avec les frais de port, donc c'était vraiment pas cher pour 100 grammes. C'est de la laine non super wash, donc il y a 25% de nylon et 75% de laine. Voilà, il n'y a pas de détails spécifiques. C'est aussi en pull je supporterais apparemment, mais voilà, il n'y a plus doux hein, les laines de Ludivine de Arco Irisiarn ou les autorayantes de Anna du Bruit des Aiguilles sont vraiment beaucoup plus douces que ça, mais voilà, c'est sec mais ça ne pique pas, donc je suis très contente de la découverte et j'ai hâte d'en mettre une sur mes aiguilles pour vous en parler un petit peu plus en détail. Et on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et donc comme je vous disais, eh bien je me suis commandé, mais seulement aujourd'hui, donc clairement je les aurai peut-être que la semaine prochaine, je ne sais pas. Je me suis commandé une paire d'aiguilles Symfony Knit Pro, donc c'est les aiguilles en bois 3 mm avec un câble 80 cm pour refaire le posy tank top, et je vous les montrerai quand je les aurai reçues, ces petites aiguilles. Voilà, j'essaye de réfléchir mais je crois que c'est tout. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'encours, hein, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup d'encours. Ça sera bien que au moins le pull de ma fille sera terminé, même si je sais qu'il y a tout de suite d'autres encours qui vont sauter sur mes aiguilles, mais voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Ça me permet de tout le temps sauter d'un projet à un autre, et j'avais constaté que 2, voire 3, c'était pas assez. Donc là, avec 4 ou 5, je me sens bien. Voilà, c'est comme ça. Et j'admire les personnes qui sont en monoprojet parce que moi j'arrive pas. Donc c'est à peu près tout. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer à l'avenir de plus scinder en deux, mais là il y avait vraiment beaucoup. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo peut-être hors série de
à mon retour d'exceptionnel avec mes achats, puisque j'ai prévu des achats. On verra. On verra si ce que j'ai l'intention d'acheter est effectivement sur les stands ou si j'ai besoin de passer des commandes. On verra comment j'organise ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut !